Bonjour à vous du Spectroul. Bah, ici, on se trouve à l'aéroport international de Eldorado. Et pourquoi est-ce que je suis là? D'abord, pour réceptionner mon poteau Adam qui vient de New York. Et puis, en deuxième, on va se choper un petit vol jusque l'Amazonie bien profonde. Hey, et regardez qui j'ai trouvé de New York. Juste, je l'ai retrouvé. Il était un peu perdu dans la rivale et j'ai trouvé Nickel Chrome. Il est en train de manger de la bouffe colombienne. Et franchement, c'est super bon. Vous savez où on est là? On est dans le terminal des vols domestiques d'Eldorado. Et pourquoi? Parce que nous, on va en Amazonie. On est ce genre de personne. Et ben voilà, nous voilà maintenant dans l'avion qui va nous amener jusque le milieu d'Amazonie. Et pour ça, on aura plus ou moins une heure et demie de vol. Et on y sera. Et Adam est juste en haut en train de commenter. Et ben voilà, on se retrouve en Amazonie, les petits gars. Et ben voilà, première impression par rapport à l'Amazonie. Et ben je vous jure, ici il est 17h et il doit faire 34 degrés quoi. À niveau d'humidité vachement aussi, mais je vous avoue, je m'en doutais un peu. Et mais pas à ce point. Continue une petite descente du fleuve Amazonie et en fait j'ai demandé à ce qu'on nous dépose sur une zone où il y a beaucoup de piranhas quoi. Et ben voilà, on essaye toujours de trouver des piranhas, j'essaie de faire quelques plans, mais c'est un peu compliqué, la personne qui s'occupe de ça n'est pas vraiment là. On s'est fait une nouvelle amie, une vache de mer, que j'ai jamais vue jusqu'avant, que je vous montre. Voilà, une vache de mer, très gentille. Mais pas de piranhas, pourtant normalement il y a des piranhas ici, c'est juste qu'on les voit pas. Hey, j'espère que ça roule. Ici, en fait, je viens faire un peu la conclusion par rapport au premier jour en Amazonie, à Puerto Alegría. Donc, pour nous, bah, ça a été une expérience assez sympa, pas trop sandante, mais assez sympa. C'est quelque chose que je conseille si vous avez, en fait, une après-midi à tuer. Donc, puisque c'est pas vraiment un endroit qui est proposé par les agences de voyage, bah, nous, on a simplement été au port de Laetitia, on s'est arrangé avec plusieurs personnes et ils nous ont conduit jusque-là. En fait, c'était pas transcendant. Mon regret, c'est de pas avoir vu de piranha, évidemment, qui reste l'un de mes objectifs de base. Mais ça nous a permis de voir pas mal d'animaux et surtout de s'habituer au transport en bateau, puisqu'ici, il n'y a pas vraiment de voiture et tout le monde se déplace en bateau sur des longues distances. En tout cas, écoutez, nous, on se retrouve demain pour la suite des aventures en Amazonie. Allez, ciao et n'oubliez pas de vous abonner.